Eza ya koyinda, eza ya koyinda, eyindi vraiment lelo na mboka ya Kinshasa eza ya koyinda. Bandeko balandi ya EHP Media, vraiment topesi bino bambote, tolobi ba bonjour et ba bonsoir mpona ba oyo baza na moyi, tolobi bonjour. Ebongo yo moto oza na butu, tolobi bonsoir, tolobi mangaribi, tolobi good night to you. Voilà, topesi bino merci na ndenge toujours tomesana kosala yango. Parce que sans bino, vraiment, chez Noyo, ça n'a importance te. Donc, bino de moto, bozali kopesa. Chaîne na bino, ya HP Media, bozali kopesa yango confiance. Bino de bozali kopesa yango valeur. Pe bino, moto botindi biso, pona tina ya kosalela bino, musala. Bongo musala, tozali kosala, ezali musala nini? Ezali toujours musala ya kolendisa, musala ya koinforme, musala ya kosala banalize, ya koreveye. Pourquoi pas kopesa lisusu pe connaissance pona bato oyo nyonso vraiment balandaka biso. Boza ebele, boza ebele, boza ebele na minute oyo boyo, bozalaka toujours fidèle, fidélité na bino ezali komona na ye. C'est pourquoi de notre côté aussi, nous ne pouvons pas nous en passer, nous ne pouvons pas dire que voilà, nous allons faire des choses sans tenir compte de vous. Vous, c'est qui? Vous, c'est tous les partenaires de cette grande chaîne, donc la chaîne de la grande vitesse, la chaîne qui est toujours à la page et la chaîne qui vous informe, la chaîne qui est chez vous et la chaîne qui est avec vous. Donc, yo, Moto Opona, EHP Media, c'est pour te dire que tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas déçu. DHP Media sera toujours avec vous. Donc, bino ba oyo décidé, bo le bino, nous nous allons partir jusqu'au bout. Donc, bozaba jusqu'au boutiste. Nazo pesa mbote na ba jusqu'au boutiste nyonso oyo. Vraiment, bazali toujours scotché, bazali toujours na biso. Nazali kopesa bino ba mbote epai wapi bozali. Pe na lobi ete Nzambe Tata azala na bino, matondo epai ya mama GH, matondo epai ya papa Samuel Lukau, matondo epai ya basali nyonso pe banganga ya Nzambe, ba oyo nyonso bamesana vraiment kolanda biso pe kosambela mpona chaîne oyo ya EHP Media. Nous disons vraiment que le Très-Haut soit avec vous, que le Très-Haut vous protège. Voilà, nous sommes en train de faire déjà l'entrée dans cette émission avec une température vraiment, une température très élevée. Je voulais dire une température très élevée ici aujourd'hui à Kinshasa où nous sommes en train de dire à tous les internautes, à tous les héros dans l'ombre, Tozali Kotalisa aussi, même aux vies du monde entier, que ba Congolais ba comprendre, ba Congolais ba sosoli déjà, ba Congolais ba timbeli déjà ma solo ndenge ezali, ba comprendre déjà que mboka oya Congo eza mboka moko oyo vraiment mutu nyonso oya yakana likanisi ya kotonga yango pe ya kosala makambo ya kitoko, donc babundisaka ye kaka, donc ba comprendre vraiment que la justice, c'est la justice qui élève une nation. C'est pour dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment qu'il y a une marche aujourd'hui qui a été organisée sur le boulevard du 30 juin. Là, nous sommes à Gombe. Nous sommes à Gombe en pleine ville. La population et Kendaki, donc, Kolakisa était Bango Baza pour te, ba intimidation. Nyonso bakouri Kosala et Paya Mwanamboka Constant Mutamba. Donc, le peuple est en train de s'exprimer. Donc, allez-y comprendre que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Ce qui peuple est Boyo. Donc, vraiment.
Boyo, ce qui peuple pe endimio, eza peuple nde endimio. Donc peuple moto ezo pe sa pouvoir na bakonzi oyo tam sou lelo ba bosanaka ke eza peuple moto a pesi pouvoir. Donc vous allez voir qu'il y a de ces politiciens qui lorsqu'ils sont rassasiés du miel, ils sont rassasiés du lait, ils se sont enivrés du lait, alors ils oublient le peuple. Ils oublient que le pouvoir qu'ils détiennent, c'est un pouvoir qui vient du peuple. Donc c'est le peuple qui octroie ce pouvoir. Donc c'est le peuple qu'il faut respecter, c'est le peuple qu'il faut écouter et c'est le peuple qu'il faut honorer. Donc ce qui vraiment est à la kaka bongo, que ba konzinyon so ba zaka na conscience wana ke il faut to honorer peuple parce que peuple nde muto azali ko pesa biso pouvoir et en plus il n'y a pas une autorité qui puisse exercer sans le peuple. Donc ceux qui osa autorité, donc la qui sabiso peuple oyowapi sur qui toi tu es en train de régner, peuple oyowapi yo ozali bongo ko dirige. Donc c'est pour dire que tous les Congolais aujourd'hui mobilisés comme un seul homme, ils ont dit non, N-O-N, ils ont dit never, never. Donc ne jamais toucher Mwanamboka Constant Mutamba qui est le ministre de justice sur les gardes, pour dire que bango ba sepelite na lisolo ya poison oyo bakendaki donc kotia même na esika ya musala ya mwana mboka. Bango bazali en plus ko s'inquiéter du fait que la santé de leur ministre, si quoi que ce soit arrivé, vraiment, ils sont prêts, vraiment, il y a ça là, tout ce qu'il faut, parce que il batimbeli que Mwanamboka Constant Mutamba, il est venu na masolo yasika, il est venu avec une autre façon de faire, il est venu avec une autre façon de travailler, qui est différente de tous ses précédents. Donc, il y a des gens qui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, déjà les soucis, c'est pouvoir remplir ses poches et se construire des belles maisons. Pourquoi pas se choisir des belles femmes, comme tout politicien qui se respecte dans ces pays, le Grand Congo. Mais Constant Mutamba, lorsqu'il est venu, il a commencé d'abord par mettre les points sur les i. Qu'est-ce que je voudrais dire par mettre les points sur les i? C'est-à-dire qu'à cibler d'abord Bato Oyo, il faut va répondre devant la justice à Fongoli, Fongoli va dossier, et il y en a d'autres qui sont aujourd'hui en liberté mais qui doivent se retrouver déjà en prison. Pourquoi? Parce que après avoir été entendus, bien sûr, ils vont certainement se retrouver en prison. Donc on est en train d'améliorer des espaces, donc c'est chercher des espaces verts pour agrandir vraiment la prison, parce que Mwanamboka Constant Mutamba, il a compris qu'il y a beaucoup de gens qui devraient être de l'autre côté, mais ils sont en train de séjourner dans la ville, ils sont en train de monter, de descendre, en train de boire, ils sont dans les buvettes, ils sont en train de se taper des grandes maisons, mais en réalité, Esika na bango, ezali na kati ya prison. Donc, ezana bato oyo bazali koyiba mbongo ya peuple. Bato oyo bazali kopier pe bazali koteka mboka. Donc ils ont des poches très longues que leurs genoux. Alors bon, il y a population, il y a ngonde bazali kolia, et en plus les mêmes peuples là est en train d'être massacré, est en train d'être vendu, est en train d'être humilié. Alors Constant Mutamba, il est venu pour soutenir quand même le chef de l'État et avec des belles initiatives, et voilà que on commence par des poisons. C'est comme une façon de lui dire ferme ta bouche, tout ce que tu devrais dire très haut ne le dis pas. Donc nous t'avons déjà montré que nous sommes capables de pénétrer tes installations sans que toi-même tu puisses les savoir. Donc c'est un signal fort que nous venons de faire de ta part pour te montrer que nous pouvons aller au-delà. Alors tu vas clore et tu vas enterrer tous les dossiers que tu as mis déjà sur la table pour pouvoir les ouvrir. Alors, la population congolaise, à l'unanime comme une seule personne, ils se sont levés aujourd'hui pour dire « ne touchez pas à Constant Mutamba ». Donc, il y en a qui ont donné, prodigué comme conseil que s'il faudra qu'il puisse avoir même un cabinet chez lui à la maison où il va mettre seulement sa femme pour essayer de se protéger, parce que la population a vraiment besoin de lui. La population veut vraiment que cet homme puisse exercer, qu'il puisse dire
vraiment le droit dans ce pays. Bah oyo et bazali na kati ba prison qui ont été innocents, qui soient libérés et ceux-là qui doivent regagner la prison, qui puissent aller dans la prison. Donc c'est ça les efforts. Il y a Mwana Mboka Constant Mutamba qui malheureusement n'est pas le bienvenu et les gens qui sont en train de faire ça, vous allez comprendre qu'il y a une main noire bien sûr et il y a les gens qui sont à l'intérieur même ici du Congo et qui sont en train de travailler en connivence, qui se donnent ou qui se soudent les coudes avec ceux de l'extérieur pour na kokweza mboka oyo ya Congo. Alors, Pandeko Balandi, c'est vraiment un exemple à suivre. Si vous vous souviendrez, autrefois, j'avais dit, s'il faut faire des pétitions, il faut les faire parce que ces pays, vraiment, nous ne sommes plus à l'époque où il faut tolérer les mal, qu'on tolérait miyibi, les gens qui sont en train de piller le peuple. Non, ce n'est plus le temps de le tolérer. Donc, le peuple doit vraiment se prendre en charge, le peuple congolais doit s'exprimer parce que c'est le peuple à qui appartient cette terre. Donc, Mabélé et Zamabélé, il y a peuple congolais, c'est le Congolais, c'est l'affaire des Congolais. Donc, tous a besoin d'un Congolais des pères et des mères, bah oyo, bah kokikotombola, kita, ya mboka, nabiso, ya Congo. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de dire la fois passée que tout ça la kababiloko ya boye, tout ça la ka yango très souvent et nous allons redresser beaucoup de choses ici chez nous au Congo. Il y a de ces pays-là, lorsqu'il y a seulement augmentation de pain, c'est toute la population qui est dans la rue pour réclamer. Donc, les Congolais doivent ôter la panique, ils doivent ôter la peur et ils vont comprendre que les droits et droits que lorsque on connaît le réclamer. Donc voilà, je voudrais que nous puissions suivre cette image et vous allez comprendre que l'image elle-même est en train
Abidjan. Encore une fois de plus, nous vous bénissons de la part de l'Éternel des armées. Nous bénissons vos maisons, nous bénissons vos activités et nous disons likez, appuyez sur la sonnette de notification, partagez cette information avec les autres. Surtout, n'essayez pas d'être égoïste. Et à très bientôt, nous allons encore nous retrouver à la même chaîne, au même endroit pour d'autres informations. Alors, soyez bénis et restez toujours scotchés. Et à la prochaine. Bye.